Salut à tous, c'est Captain Falcon pour la suite de l'aventure sur Borderlands 2, épisode numéro 28. Si vous avez suivi un petit peu les derniers épisodes, je vous avais proposé l'arène numéro 2 qui s'est super bien passée. Je remercie les deux personnes, Couture qui nous avait rejoint un petit peu après et Linkard qui a participé tout le long de la vidéo. C'était vraiment sympa. On a eu de belles récompenses, notamment une petite grenade légendaire. Niveau 43, assez efficace, et Couture nous a fait profiter de ses clés en or pour nous fournir pas mal d'items épiques 50, donc je ne peux pas encore équiper. En parlant de niveau, la reine m'a permis d'avancer énormément, puisque je suis bientôt 49, j'ai vraiment bien entamé le niveau grâce à la reine. Oula. Et en termes d'aventure, on est toujours dans le... toujours à la recherche de Sanguine, puisqu'on avait trouvé que des plumes, et donc on va continuer cette région. Alors j'espère la finir dans cette vidéo, je pense que oui, histoire de pouvoir retourner à Sanctuary et faire le tri dans les items. Donc nouveau bazooka aussi, récompense donc de la reine. Il est dévastateur, il est vraiment très puissant. Bon, il n'y a que 3 roquettes dans le chargeur, mais il déménage vraiment beaucoup, quoi. Vous avez les échantillons de slug. Donc la quête secondaire, enfin l'objectif secondaire terminé. Lorsque vous aurez fini de faire vos trucs dont je me fiche complètement. Et je remercie aussi, donc j'ai plus le nom en tête là, parce que j'ai oublié de regarder avant de lancer la vidéo. Mais j'avais demandé dans l'épisode 27. Les cachettes de Mordecai, en fait. J'avais dit qu'il m'en manquait une et que j'arrivais pas à la trouver. Et bien, on m'a signalé où elle était. Et avant la vidéo, je suis allé la chercher parce que j'aurais bien voulu vous le proposer en vidéo, mais il fallait faire toute la zone encore une fois, quoi. Donc, j'ai pas trop le temps. Voilà. Si vous voulez savoir, en fait, il faut, comme il m'a dit, continuer sur le pont, enfin sur l'autoroute là. Et tout au bout, il y a un symbole de l'arche. Et il faut faire un petit saut sur la droite pour récupérer justement ça. Donc il y a un coffre, tout ça, enfin il y a pas mal de trucs, quoi, voilà. Donc merci à toi, il se reconnaîtra. Celui qui a laissé le commentaire en tout cas se reconnaîtra. Du coup j'ai pu réussir le succès, donc ça fait vraiment plaisir, quoi. J'ai fait construire cette réserve pour découvrir l'ensemble des propriétés du slag. Tu vois, c'est pas seulement un type de dégâts élémental. Ah, j'occupe un peu de mission au passage. Le slag a des propriétés intéressantes. Voilà. Ah, je pensais que ça allait la tirer, non, même pas. Voilà. Je peux faire d'abord. Shooter les oiseaux là. Non, bon, ils sont pas l'air. Petite démonstration de la grenade légendaire. Donc ça les attire et ça lance des éclairs un peu de partout. Donc ça envoie pas mal. Vraiment bon, quoi. Allez hop, c'est flagué. J'en profite d'avoir une grenade cheatée. Oh, le tout petit là. Tiens. Oh, l'arme a ricoché sur lui et c'est la bonne shot. Ouais, mais il y a du monde là. Précision. Oui, ouais. Alors, les oiseaux, ils sont où? Personne. Donc là on va... Ouh. Il y a du gros là. Je crois qu'il va pas résister à la... Qu'est-ce que j'ai fait? Pour une créature, tu as su te battre, mais... Alors eux, ça va être assez funky. Au revoir. Ah, ils sont pas tous morts. Je les ai désintégrés, quoi. En attendant le début de l'expérience qui vous a été assignée, profitez de la majesté des créatures. Du coup, j'ai plus trop de place dans... Veuillez oublier
Non mais sac là avec tous les items. Début des expérimentations de Slag. Ah oui, c'est qu'il y avait cette quête aussi à faire. Contact d'Hyperion, brochette de chair. Bah, je vous laisse écouter. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu ne risques rien. Ferme tes yeux, bébé. Vous vous débrouillez, ma sœur. Il me manque encore une archive et quand pour avoir toutes les données dont j'ai besoin. Ah, les prochains. Alors, ça, c'est le moment où je les déteste, les PWR là. C'est vraiment pénible. Fantomitude. J'aime bien les... J'avoue. Oula, ils font exploser là. Oh le carnage. Qu'est-ce que ça leur a mis là? Trop beau. Ah c'est parce qu'il arrive pas trop à les renvoyer les boules d'énergie là. Oh. Allez, ça c'est fait. Donc là, on arrive bientôt à la fin. Encore une grande salle à nettoyer, puis ça sera bon. Je vais garder mes roquettes pour ce qui va se passer là. Il y a encore pas mal de résistance. Oula, pas toi. Il y a du lourd derrière. Je suis assez concentré parce qu'en fait là j'ai vraiment pas envie de mourir. Ah, mais c'est quoi ce porteur là? Ils ont jamais eu autant de vie. Ouais, super brutal. Alors, je fais comme je peux. Mais il y a masse vie lui. Raté. Oh. Presque plus de vie. Allez, c'est bon. Du lourd parce qu'il m'a chaud. Pas intéressant. On a fini avec toi. Alors je vais terminer la salle, je crois qu'il en reste. Tu connais Sanguine, ils ont dû lui coller la pierre de leur brutasse pour la garder. Ça devrait pas te poser de problème. Hop. Allez, le dernier. Tu commences à me tomber. Voilà, donc là, je suis tranquille, je vais pouvoir choper le dernier. Dernier truc là, enfin, le dernier écho. Alors, le problème qui va se passer c'est que pour le... plus beaucoup de munitions. Allez. Voilà, il est là. Chérie, tu te souviens de ce gros rocher rouge que je t'ai dit de cacher dans ta robe? Tire sur la goupille et jette-le contre ce mur. Maman? Chérie, tu l'as. Alors je sais pas si... Parce que la mère là, elle a dit Tina. Alors je sais pas si c'était la mère de la Tina qu'on connaît dans le jeu. Possible, je sais pas. Ça paraît probable. Voilà, allez, donc on arrive sur la dernière ligne droite. Wow. Caché. Inattendu lui.
Petit mais costaud, comme on dit. Non, j'ai plus de roquettes. Saloperie ! Généreux. Bon, je vais pas les prendre. Ça sert à rien, de toute façon. Bon, ben voilà. Allez, on arrive à la dernière ligne droite. J'ai mis 10 minutes pour y aller. C'est plutôt pas mal. J'ai bien speedé, là. Hop. Allez. Bon, je vais essayer de voir un peu vite fait s'il n'y a pas des munitions de lance-roquettes. Non, forcément. Bon, c'est pas grave. Vous voulez récupérer Sanguine, hein? Dommage. J'ai pas mal expérimenté l'iridium sur elle et ça m'embête de la laisser partir, mais... Mais c'est pas grave. Elle est à vous. Elle a quand même pris pas mal de volume, la Sanguine, là. Donc voilà, donc Sanguine fait office de boss. Abandonnez les petits. Sanguine peut utiliser tous les éléments. Feu, électricité, corrosion. Je crois qu'on peut pas la taper encore. Et oh merde, qu'ils finissent de parler. C'est quoi déjà? Nom d'un rack. Affaiblis-la, puis je l'aurai avec un tranquillisant. Bordel, désolé soldat, mais il va falloir sacrifier Sanguine. Fais ce que tu peux pour la sauver, mais si c'est trop chaud. Elle est notre seul ticket d'entrée pour le noyau central de l'ange et la clé de l'arche. Ouais, tant qu'ils n'ont pas fini de blablater, on peut... le combat ne commence pas, voilà, là je crois que c'est bon. Non, toujours pas. Voilà, là c'est bon. Bon, forcément, elle se métamorphose en feu. Il y a quoi ensuite? Attention au cerf! Waouh. Ça va bien se passer. Il faut juste calmer Sanguine. La ramener à Sanctuary. Le problème, c'est que ça, je dis. Zed pourra peut-être la soigner. Je dis que je voulais le. le bazooka. C'était pour. Faciliter la tâche, mais bon, au final. Ouais, elle envoie des boules de feu. Ouais, je profite qu'elle soit à pied là pour les brûler la tronche. Écoute ton papa, les chasseurs de l'arche sont tes amis. Arrête de les attaquer. Pff, oh là, la grenade elle lui a fait mal. Oh là 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 là, impressionnant. Électricité. Donc en fait à chaque fois qu'elle change de d'élément, elle regagne en santé. Tu vas regretter d'avoir mêlé Sanguine à tout ça, Jack. Attends un peu qu'elle vienne te picorer dans les yeux. Adorable. L'électricité ça pique. Elle en a après toi. Ouais, ben je reviens. Ouais. Parce que là si je tombe, hey, je t'envoie du ravitaillement. C'est un peu foutu quoi. Un peu de santé là, oh oui. Moi ça pas. Non. Attaque en piqué, attention. Non, en plus des de Sanguine, on a des skags là. Fais gaffe aux décharges électriques. Sanguine, du calme. Tout doux ma belle. Ouais, là, corrosion. Donc elle passe en corrosion, voilà, encore gagné de la santé. Si je m'en souviens. Allez, c'est quoi après? Je charge le tranquillisant. Voilà, je l'ai bien. Voilà, c'est bon. Ça fait pas mal, j'ai mis un petit 111K là. Voilà, c'est bon. Mordecai il l'a calmé. Ok. Ouh, pas elle mal d'XP. Prends vite la puce dans son collier, puis on la ramène à la Sanctuary. Oh, ça me revient. Explosion. Non. Malheureusement, on n'aura pas réussi à la sauver. Rendez-vous. Cet oiseau de merde était qu'un début. Non, t'arrêtes, Jack. Je vais te buter. Tu m'entends? On a perdu Sanguine. Une minute de silence pour Sanguine. Je suis navré, Sanguine, soldat. Mais faut pas qu'on traîne. Ramène la mise à jour logicielle à Claptrap. Voilà, donc Sanguine a mal fini, malheureusement. Et Mordecai, il va pas être très très content. Parce qu'on a tué son oiseau. Alors moi, ça m'a fait vraiment de la peine la première fois que j'y suis arrivé. Parce que dans le Borderlands 1, j'avais joué Mordecai avec l'oiseau et tout ça. C'était vraiment sympa. Et là,
Ah, plus d'oiseaux, quoi. Eh ouais, c'est comme ça. Alors, quelques coffres en récompense. Ouais, d'accord. Pas grand chose, apparemment. Encore un là. Ah, quand même. Un épic, niveau 43. Qu'est-ce que j'ai en flingue? Ouais, le Vladov. Ouais. Il est pas mal. Pas mal de dégâts. Mais je pense pas que je vais changer celui que j'ai, parce que j'aime bien. Mais où est passé le... Bah, j'avais un violon quelque part, je voulais jouer pour me moquer. Merde. Quel salopard, merde, ce Jack. Je l'ai vu pas plus tard qu'hier. Blake, où il est ce foutu violon? Voilà, donc là il faut retourner à Sanctuary pour aller filer la mise à jour de Claptrap. Et on aura fait encore une grosse partie du jeu. On aura encore bien avancé. Oh, 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 oh. Tu n'espérais quand même pas sortir de cet endroit en vie. Intrus repéré. Déploiement de montage. Chasseur de large, couche-toi. Ouais. Donc là, Mordecai, en fait, il va se faire plaisir. Il a que juste à courir. Wow, lui il l'a pas eu. Bon, les enragés sont vraiment violents. Rien à dire quoi. Pouf. Voilà. Donc j'ai profité pour vendre tout de suite là. Alors, s'il y a un bug dans ce jeu, c'est que de temps en temps, j'arrive pas à faire descendre les armes, ça quoi. Allez, je fais la roulette pour les faire descendre et ça reste bloqué. Alors je sais pas comment on fait pour pour enlever ce truc, mais c'est super relou quoi. Bon, bah, on va aller à Sanctuary, on fera ça là-bas. Peut-être parce que j'ai trop d'armes, je sais pas. Chic, 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 le voilà. Ah, une chanson pour l'oiseau débile de Mordecai. Je crois que j'ai le turbo-cancer. Fais chier, ça aurait été plus marrant tout à l'heure. La ferme. Il est fou. Allez hop, on va récupérer. Non, c'est celle-là, les munitions. On va aller poser des armes dans le coffre histoire de pouvoir, s'il y a des récompenses de quête, les récupérer. Hop. Alors, est-ce qu'il me reste de la place? Oui, 4. Pas mal ça. Non, celle-là, je vais pas la mettre. Je vais mettre le snipe. Je vais mettre. Ouais, ça. Je sais pas si je les mets vraiment ou pas là. Faut croire que non. Je vais mettre ça. Ah non, le sniper il est là. Voilà, donc là je suis au taquet dans le coffre. La quête à Tanis. Hop. En plus d'être vraiment poilante, les données que vous avez récoltées pourraient servir à endiguer les intoxications au slag. Pas forcément très utile. Hop. Donc là je vais pouvoir vendre des armes que je ne me sers pas. Pourquoi détrousser les morts alors que vous pouvez tout acheter ici? Ouais, il est tout le bleu que j'ai chopé là. Hop, voilà. Attention à pas vendre n'importe quoi non plus. Ça c'est bon, voilà. Votre argent ne vaut rien. Allez, on va voir notre ami Claptrap. Pour lui mettre la mise à jour. Alors juste avant, je vais poser des trucs dans ce coffre. Alors voilà, je vous avais promis de vous montrer le bouclier qu'un collègue m'a donné, donc The Bee, qui est vraiment violentissime, donc pareil niveau 50. Hop. Allez, mais c'est trop bizarre quoi. Ça, il veut pas. Hein. Je sais pas pourquoi, j'arrive pas à les mettre les. Voilà. Une fois sur deux, ça marche pas quoi. Voilà, ça. Et ça aussi, je m'en servirai pas. Hop.
Allez, Claptrap, avale ça. Steve, mais qu'est-ce que tu fais? Nom de petit Skag, je suis invisible. C'est toi? Je peux pas. Sbire, tape mon sac. Ah ouais, c'est fait. C'est mérité. Génial. Maintenant, Claptrap peut nous faire passer le champ de sécurité de l'ange. Reviens vite. On a une idée pour le bunker. Voilà, une bonne chose de faite. Alors, je vois si j'ai pas... Bon. Allez, ça je le vends. Ah voilà, je voulais voir s'il n'y avait pas un bouclier, mais pff, ils sont pas terribles. Il y a encore des boucliers niveau 39 alors que je suis 48 dans les trucs distributeurs, c'est un peu de l'arnaque quand même. Alors je touche du doigt le niveau 49. Alors avant toute chose, je pense que je vais vendre des trucs, des armes un peu vieilles là, que je me sers pas, ça j'échange. Alors, j'ai quasiment... Ouais, les armes bleues niveau 30, elles vont virer, histoire de faire un peu de place quand même, parce que du coup... Allez, c'était qu'en plus j'avais gardé tout... que des Vladov. Sanguine. Non. Donc je vous laisse écouter. Tu te souviens de la fois où Mordecai était blessé à l'épaule et il s'est caché et il a envoyé Sanguine régler le compte de ses bandits à elle toute seule? Ouais. Et alors Sanguine s'est mise à voler en cercle sans attaquer un seul bandit et Mordecai lui hurlait: qu'est-ce que tu fous, espèce de lâche? Tu les tous, blablabla! Et finalement, Mordecai... Et Sanguine a plongé dans la mêlée en hurlant. Et elle a tué tous les bandits en une demi-seconde. Elle voulait juste que Mordecai la regarde. Qu'il soit fier d'elle. Et lui, heureux comme un skag dans une poubelle. Il lui a caressé le bec et le cou. Ce qui aurait été mignon si Sanguine n'avait pas été couverte de boyaux. Vos gueules à la fin! Hop, je rends la quête. Je suis désolé pour ce message à Sao. Ah ben, je suis passé 49. Et je crois que je vais remettre ce message à un chef bandit qu'on appelle le roi des Mastaques. C'est un membre des pillards écarlates. Mais ses méthodes sont devenues trop brutales. Franchement, démembrer des responsables d'Hyperion devant leur famille, il y a plus subtil pour les faire parler. On n'est pas d'accord là-dessus. En effet. Bref, il me doit un service. Et il peut te faire passer le bunker devant le noyau central de l'ange. Voilà, donc nouvelle quête principale. Donc il faut aller à Thousand's Gate pour récupérer, pour aller voir le chef des Mastok. Et on a plusieurs quêtes secondaires. Hop, notamment lui. Sanguine est morte. Jack a failli ouvrir l'arche. Je sais pas toi, mais. Moi, il faut que je boive un coup. Beaucoup de coups. Le pauvre, il est vraiment... Les Odunks font du rack-coll dans le dust. Fais tomber les fûts d'un de leurs transporteurs de gnôles. Et rapporte-les-moi. J'ai une quête pour toi. Les ingénieurs qui travaillent à la réserve. Donc en fait, cette quête-là nous ramène, comme j'avais dit, à la zone que je viens de terminer. Donc il faut la refaire en entier. C'est un peu pénible, mais la récompense est sympa. C'est un sniper bleu. Donc ça peut m'intéresser. Un bon bain de sang pour ce qu'ils ont fait à mon oiseau. Ensuite, le point de talent. Donc j'avais dit que j'ai arrêté cette branche bain de sang qui... Je pense que j'ai pris tout ce qui m'intéressait. Donc je sais pas trop quoi prendre parce que je pense pas m'attaquer à cette branche du milieu pour... Je pense pas, elle m'intéresse pas des masses. Donc je pensais choisir un des talents qui restait ici, notamment optique qui a l'air sympa. Un peu plus de zoom et un peu plus de stabilité. Donc je vais le mettre ici. De toute façon, j'ai plus qu'un seul point à mettre. Puisque je suis 49, donc bon, je vais pas pouvoir avancer très très loin. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Les flags, merveilleux flags. Allez, tout ça je vends. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai pas vraiment de jeune épique là. Ah, ça. Ah oui, mais 26. Ah, ça, j'ai eu peur. Donc là, ensuite, une quête, encore une quête secondaire. Donnée par notre ami Scooter qui est vraiment. Si oui, c'est celle que je pense. Elle est vraiment, mais n'importe quoi. C'est du bon vieux Scooter comme on les aime.
Je voudrais écrire un poème d'amour à cette nana, Daisy. Mais je suis en panne d'inspiration. Il me faut quelque chose d'excitant pour que le poème l'excite, elle aussi. Et prends cet appareil photo et photographie des beaux endroits que je pourrais citer dans le poème. D'accord ? Oh, et ramasse tous les magazines de cul que tu trouveras. Il faut toujours un plan B. Un plan B. Ouais, donc voilà, la quête, elle est vraiment délire, quoi. Donc il me reste, donc on en a 25 minutes, donc il me reste 5 minutes à peu près. Donc on va aller faire la quête très rapidement dans le dust des bières là. Je pense avoir le temps de le faire en 5 minutes. Et on s'arrêtera là pour cet épisode 28 qui a bien fait progresser la quête principale. Donc dans l'épisode 29, eh ben on terminera, on refera malheureusement la zone de Sanguine. J'essaierai de le faire un peu en speed. Et puis après on se concentrera sur la quête principale, et pas beaucoup de quêtes secondaires pour une fois. Voilà, alors là le but c'est tout simple, c'est de suivre la caravane là, et de lui faire tomber les... Wow. Sur les caisses de et de récupérer les barils de bière. Allez, reviens ici. Ah, elle va vite quand même, mine de rien. Non, je crois qu'en fait, il faut pas tirer dans, il faut vraiment tirer sur les barils. Ouais, voilà, pour les faire tomber en masse. Mordecai veut se faire une cure de racole, hein. Il a fait pareil quand on s'est séparés, le pauvre petit. Si tu me rapportes l'agneau à moi, je te donne mon revolver, chérie. Ruby. Quoi? Moxie t'offre Ruby contre Magnol? La salope. Cette pipe boit perdu Ruby il y a des années de ça, et c'est moi qui l'ai trouvé. Sans moi, elle n'aurait même plus. Non. File-moi l'agneau à moi, et je te donne un de mes fusils de précision en échange. Donc, comme j'ai fait plusieurs fois le jeu, j'ai donné une fois le... à Moxie et une fois à Mordecai, et je dois avouer que le Ruby m'a fortement déçu. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pas de bol ou quoi, mais du coup là comme je suis Moxie sniper, je vais vraiment prendre le... Enfin je vais vraiment... Il faut vraiment un nouveau sniper, pardon. Du coup le sniper m'intéresse beaucoup plus. Hey, jusqu'à ce qu'il fasse cramer tous ces pauvres gens, Jack avait été plutôt sympa. Et c'est pas ma faute si Mordecai n'est pas aussi de son oiseau que ma... Merde! Je suis tellement en colère que j'arrive même pas à trouver de mots assez grossiers. Hop. Il en reste une. Ah bah c'est bon en fait, puisque l'autre elle est là. Voilà. Ça y est. Rapporte-moi le tout et je te donne mon fusil. Non. File-moi l'agneau plutôt qu'à ce racolé qu'ami des oiseaux et je te donne Ruby. Ah, désolé Moxie, mais... Je préfère le sniper. Hop. Voilà, donc j'ai mis 3 minutes à faire à peu près. En espérant que le sniper déglingue plus, c'est ce que j'ai. Surprise, surprise, allez. Il est passé où, là? Il est là. Je tire mieux quand je suis sous, de toute façon. Donc un sniper slag. Alors, oui, il fait plus de dégâts, plus de précision. Et je perds dans tout le reste. Mais c'est vrai que peut être intéressant. En plus, je change pas de marque de flingue puisque c'est aussi un dalle. Bon, je vais garder celui-là, ça me changera un petit peu. Je vais garder le feu dans mes sacs si jamais celui-là ne s'avère pas aussi bon que prévu. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode 28. Merci à tous ceux qui suivent cette aventure. Et quant à moi, je vous dis portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.